Bastien Vautier face à Mame Djaïté. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag Squeak Live. La première possession de cette partie, elle sera dans les mains d'Edon Maxouni. Et pas mal ça, cette passe de Bastien Vautier pour Yvan Février. 4-0, Mathieu Strazel pour Mame Djaïté, le petit hook main droite, le rebond de Peter Corneli. Allez, est-ce qu'il va pouvoir remonter? Non, on réclame un marché du côté de la tribune. Alpha Diallo, superbe, qui a enroulé toute la défense. Avec Vautier, David Dileo, l'extra passe là-bas pour Fleming Junior. Ça tombe dedans, ce panier à 3 points avec Djaïté. Oh, la petite passe, petit bras pour Yacouba Ouattara. Ballon intercepté par les joueurs du Portel. Maxouni qui glisse. Allez, Diallo avec Strazel. Superbe, superbe cette passe d'Alpha Diallo pour Mathieu Strazel. Allez, Strazel. Oh là là, Mathieu Strazel, qu'est-ce qui va vite, Mathieu Strazel. Ça, c'était bien senti par Bryson Gresham. Eliokobo. Ouh là 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 là, qui a tenté avec l'angle là de la caméra. On aurait même pu. Oh, superbe. Oh là là, quelle passe exceptionnelle de la part d'Edon Maxouni pour Digué Diawara. Et 20-14 à 1:35 de la fin. 5 secondes sur la possession. Strazel, il est très loin, Mathieu Strazel. Il va falloir prendre le tir. Mathieu Strazel à 2 ou 3 points. Il y aura une faute. La semaine qui est sur 5 victoires de suite en championnat sur les 5 dernières journées. Qui est juste à la traîne, pour ne pas dire à la ramasse, en Euroleague. Petite passe là-bas pour Danta Hall, Yacouba Ouattara, 3 points. Oui, Yacouba Ouattara qui score. Avec Maxouni, défendu par le capitaine de la Roca Team, Yacouba Ouattara. Oh, quelle passe. Et Bastien Vautier derrière. Le petit caviar d'Edon Maxouni. Attention, Eliokobo sur une jambe. Eliokobo, la patte gauche d'Eliokobo, et Monaco qui passe devant pour la première fois dans cette partie. Et ce sera rendu. Il y avait quand même la volonté de jouer le ballon pour Terry Tarpé. Fleming avec Yvan Février qui dépose cette balle tout en douceur. Mathieu Strazel. Oh là là, pour envoyer Danta Hall tout là-haut dans ce chaudron. Et on revoit ce alley-oop en haute altitude. Et Peter Corneli qui monte au dunk. Digué Diawara derrière l'arc. Digué Diawara, 3 points, c'est manqué, mais c'est bien volé par Grisham. Oh, superbe! Quelle passe de Robert Turner pour Digué Diawara. C'est vraiment le spectacle ici des deux côtés. Alpha Diallo qui va ressortir sur Jaron Blossom Game à 3 points. Blossom Game qui met ce panier à 3 points, qui fait repasser Monaco devant. Strazel. Ah, difficile cette passe pour Mame Djaïté là. Le piège s'était refermé autour de lui et de l'autre côté, Yvan Février. Diallo. 8 secondes. Il a envie de jouer face à Digué Diawara. Alpha Diallo, il va y aller. Oh, la gifle de Digué Diawara. Et ce sera un 2 contre 1. Il y aura une faute de Mathieu Strazel. Edon Maxouni
qui va attendre un petit peu que le jeu se mette en place autour de lui. Maxouni pour Gresham. Oh, exceptionnel ce qu'ils viennent de s'envoyer là, tous les deux, dans ce chaudron. Ballon intercepté encore une fois par Digué Diawara, il va faire tout péter en contre-attaque. Terry Tarpe. Peter Corneli, Terry Tarpe pour Elio Kobo. Elio Kobo, une seconde, il faut prendre le tir pour Elio Kobo. Oh ! Le tir exceptionnel d'Elio Kobo. Il donne Maxouni, Digué Diawara, Maxouni à nouveau. Et on va réenvoyer Bryson Gresham. Oh, allez où, là-haut. Digué Diawara. Est-ce qu'on va pouvoir jouer avec Bastien Vautier? Non, c'est compliqué. A priori, Dontaol qui le garde bien. Digué Diawara, oh là là, face à Peter Corneli. Mais c'est un ballon volé par l'ancien du Real. Terry Tarpe à l'opposé là-bas. Ah, le ballon perdu, c'est mal négocié par la Roca Team. Il y avait du temps en plus. Possession pour les Monégasques. Elio Kobo avec Corneli qui a voulu retrouver à l'intérieur. Dontaol, ça va vite, ça va vite. Et le panier marqué par Flandus Fleming Junior. Fleming Junior. 8 secondes sur la possession. Fleming Junior, la petite passe à l'intérieur pour Bastien Vautier. Flandus Fleming Junior qui essaie de travailler justement face aux Français. Il va prendre le tir. C'est manqué, le rebond est récupéré par la défense de la Roca Team. Alpha Diallo. Très jolie passe là. C'est un petit peu oublié sur le repli défensif. Corneli, superbe passe de Peter Corneli pour Alpha Diallo. Là, il faudrait faire un stop, idéalement, pour les joueurs de l'ESSM. Strazel pour Yacouba Ouattara. Corneli, Alpha Diallo qui va se lever. Alpha Diallo! Le gros tir d'Alpha Diallo, plus 7. Pour l'instant, les Monégasques ont pleinement leur destin en main. Mathieu Strazel. Mathieu Strazel pour Dontaol. Et Dontaol avec la planche. Bastien Vautier, l'interception de Dontaol. Il avait senti le coup venir. L'intérieur monégasque. Ouais, 49 secondes et 4 dixièmes encore à jouer. On met une pression tout terrain du côté de l'ESSM. Ça faisait... Oui, on n'était pas loin des 5 secondes pour cette remise en jeu. Blossom Game, Blossom Game. Oh, Blossom Game. Mathieu Strazel qui va surgir et on va envoyer Dontaol tout là-haut pour le dunk à une main malgré les grondements du chaudron. Il fait ça avec une telle facilité, Dontaol. Et donne Maxouni, contré derrière. Oh là là, c'est vraiment l'homme de cette fin de match côté Monaco, Dontaol. Il y aura eu l'interception tout à l'heure sur Bastien Vautier. Les alley-oop, le lancer marqué. Là, ce contre exceptionnel, Dontaol. Elio Kobo à 3 points. Jerome Blossom Game, pardon, à 3 points. Nouveau rebond offensif pour Dontaol. Et ça va se finir comme ça. Sous les sifflets du chaudron, les sifflets pour Monaco, mais c'est bien la Roca Team de Mathieu Strazel qui va s'imposer sur le score de 74 à 67. Les hommes de Sacha Obradovic qui vont rester leaders, évidemment, de cette Betclic Elite, mais ils n'auront donc connu qu'une seule fois la défaite pour le moment sur cette phase aller à l'extérieur. C'était face à Nancy. Et bien pour le moment, Nancy reste la seule équipe à avoir été capable de faire chuter l'ogre monégasque.